Bonjour et bienvenue sur Mondrone.net. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing du tout nouveau masque Isshin Goggles 2. C'est pas trop dans mes habitudes de proposer des unboxings, simplement ce produit était très très attendu. Je sais que vous êtes nombreux à demander des infos et savoir un petit peu quand est-ce qu'il va être disponible. Donc a priori maintenant, il est disponible. On l'a reçu aujourd'hui. Donc a priori, ça doit être la version finale puisqu'on a bien le packaging assez travaillé. Donc pour rappel, en fait, on avait eu la première version de ce masque il y a quelques mois à tester. Il s'agissait du Goggles One, logiquement. Et donc c'était un masque qui nous avait un peu impressionné au niveau de la qualité d'image. Par contre, on avait été un petit peu déçu de la qualité de finition et puis également aussi de la qualité de réception vidéo, puisqu'on avait un récepteur simple avec une seule antenne qui offrait des performances un petit peu en dessous de ce qu'on attendait. Isshin est en train de corriger le tir puisqu'il nous propose cette fois-ci avec le Goggles 2 un récepteur Diversity. Donc on va voir un petit peu ce que contient le pack et puis dans une seconde vidéo je vous donnerai mes impressions après avoir essayé ce masque pendant quelques jours. Donc au niveau du packaging, on va retrouver quelque chose d'assez complet puisque on va avoir le masque bien entendu, je vais revenir dessus dans quelques instants. On nous propose également un câble HDMI, donc mini HDMI vers HDMI, donc ce qui est très pratique pour pouvoir le brancher sur votre ordinateur ou ce genre de choses. Donc le câble doit faire environ 1 mètre, donc on aurait aimé un peu plus long, mais on va tout de même pas s'en plaindre d'avoir le câble qui est fourni. On a ici un adaptateur secteur qui va nous permettre de recharger la batterie, donc qui est une 2200 mAh en 2S. Alors le seul petit souci, c'est que là, l'adaptateur que j'ai reçu est avec une prise type anglais. Donc des connecteurs plats et malheureusement ils ont oublié de nous mettre l'adaptateur européen avec. Bon, j'en ai ici donc c'est pas un vrai problème, je leur signalerai quand même histoire que les Européens puissent bénéficier d'un adaptateur sans problème. Autre point très positif, c'est que cette fois-ci plutôt que d'avoir les classiques antennes bâton, on va recevoir directement deux antennes, une antenne donc type champignon qui va être omnidirectionnelle et permettre de couvrir vraiment à 360 degrés autour de vous, et une antenne patch qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans un rayon bien sûr un peu plus restreint. Ce qui est également très sympa aussi, c'est qu'on va avoir deux kits complets de mousse à installer sur le masque. Donc il n'y en a pas par défaut d'installer, donc vous devrez en installer un directement, mais vous en avez un de rechange, ce qui est aussi un point très positif. Et on reçoit ici également un câble, donc a priori une entrée auxiliaire vidéo, donc avec un jack. Donc on voit que c'est un jack qui va à la fois transporter le son et la vidéo. Alors je suis assez étonné puisque le premier modèle a priori n'avait pas d'entrée vidéo. Donc on retrouve en fait exactement le même panneau de contrôle que sur le premier, je pense que vous allez bien le voir. Et donc sur le premier masque ici, on a été vraiment une... si je vous dis pas de bêtises, c'était simplement une prise casque. Donc cette fois-ci, a priori, est-ce qu'on va pouvoir venir brancher une source analogique extérieure avec ce petit câble? Je pense que oui, donc ça je vous confirmerai ça une fois que j'aurai testé le masque plus en détail. Donc pour revenir sur le masque en lui-même, il y a eu quelques petites évolutions par rapport à la première version. Donc au niveau du design, ça a légèrement changé, mais rien de totalement différent. Cette fois-ci, ils ont pris le parti de ne plus nous mettre une coque en plastique, ce qui est plutôt une bonne chose puisque à l'époque, la coque était quand même assez mal ajustée. On avait une finition qui était vraiment pas au niveau de la gamme de prix du masque, en fait, tout simplement. Donc ici, la finition est quand même vraiment très bonne. La mousse a l'air assez résistante. On retrouve quand même des petits inserts ici plastiques sur le dessus qui sont d'un effet plutôt réussi. Et surtout, le gros point positif, c'est qu'on va retrouver ici notre récepteur Diversity pour nos deux antennes. Donc ça, c'est vraiment un gros point. Par contre, sur le reste du masque, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. À l'intérieur du masque, la lentille, en fait, est toujours fixe. Donc c'était pas trop gênant sur la première version, en tout cas pour moi c'était pas un problème, mais bon, je pense que certaines personnes auraient aimé pouvoir ajuster ça. Et vu l'ouverture qu'on a au niveau du masque, je suis pas persuadé que quelqu'un qui porte des lunettes va pouvoir les mettre facilement. Ce sera des choses que je vais tester par la suite. Donc voilà, c'était vraiment une petite un petit unboxing rapide pour vous montrer un petit peu le contenu du pack et puis le masque en lui-même. Je trouve qu'il est plutôt réussi, un peu plus que l'ancien qui avait quand même un look un peu un peu bas de gamme puisque la finition était vraiment pas terrible. Là ici, on est quand même sur quelque chose qui a l'air un peu plus sérieux, même si techniquement je pense que le masque est très très proche, hein, mis à part le récepteur Diversity. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, pardon. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, de toute façon on va vous donner la suite du test de ce masque très rapidement. Et voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.